Salut à tous, c'est Diego Ar. On se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Max Payne. Donc, on est toujours sur le chemin vers l'autre bâtiment où il y a Nicole Horn. Et on continue. Mona, looking good. Max, we gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinello dead, to cut her ties to the Mafia. He deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. Gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl, not really a stone-cold killer. And now she was stone-cold dead. Like religious fanatics or loyal samurai, Horn's private army was coming at me. Found him. Donc, je vais aller back up. Foiré. Foiré, ouais. Les gars. Mais non, mais... C'est complètement abusé, on peut rien faire, on est complètement à découvert, ils apparaissent derrière nous, ils sont trois. Je leur envoie tout ce que j'ai, mais ça ne suffit pas. On va se les faire au jackhammer. I need backup. Crevé. Voilà. À moins de savoir qu'ils arrivent à l'avance, faut vraiment se retourner rapidement et savoir quoi faire, bref. Vraiment, Mona Sachs, qui travaillait pour Horn, donc du coup, est morte. Donc on va continuer. When the elevator came back down, Mona was gone. There was a lot of blood but no body. Something clicked for the final time. My mind had never been so clear, as if somewhere high above the storm clouds were already gone, cold stars blazing from the black skies. Donc, apparemment Mona n'est pas si morte que ça. On sait pas trop par où elle s'est barrée. C'est-à-dire là on a des laser le host qui va nous gêner si jamais on veut monter. J'avais complètement oublié cette partie. Comment on va faire? Ah bah oui, on va tirer dessus en même temps qu'on monte, sans doute. On peut pas le faire d'ici. On continue. Tiens, d'ailleurs le jingle de la dernière vidéo c'était de appelez-le comme vous voulez, Mystic Quest Final Fantasy Adventure. Et Seiken Densetsu, de ces trois noms. Là, non, c'est pas vrai. Oh là là, mais quelle arnaque! Il vise n'importe comment avec son Beretta. Je suis dessus, mais n'importe quoi. C'est complètement abusé. Le Beretta vise n'importe comment. Changer d'arme directement, c'est de la grosse merde. Send me back up. Non, je vais pas sauter. Super, relève-toi, putain, oh. On commence. On est reparti. Et on va pas le faire avec le Beretta parce que c'est de la merde. On va se le faire avec le canon de scie, tiens, ça peut être trop mal ça. Et 30, voilà. D'accord. Pas mal. Voilà, c'est un peu mieux qu'un ancien. Le Beretta complètement pourri qui manque sa cible à 50 cm de quart. Merde, j'ai fait un peu trop bas moi-même. Voilà. Donc là, on va arriver tout en haut du bâtiment apparemment. Et donc, préparer à bastonner. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le jackhammer, tiens. Quoique non, s'il y a des mondes de loin, on va prendre le Desert Eagle. C'est juste là. C'est parti. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite sauvegarde. Hop.
on est prêt. You know what I'm talking about. In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest of the cool, it always seems like time slows down in the middle of the action. You know, you can see the bullets flying through the air, the hero dodging in slow motion. Oh man, it would be so cool to be able to do that. Bullet time, that's what they call it. Bullet time, yeah, would be so cool. Donc apparemment il parle du bullet time, de combien serait excellent de pouvoir le faire en vrai. Ouais. Si on peut le faire en vrai, le bullet time, et non, Max Payne peut lui, enfin en vrai dans le jeu vidéo quoi. Donc eux ils ont eu leur compte, je n'ai même pas utilisé le bullet time. Je crois que je n'avais pas grand chose. Et on va continuer par là. Oh putain, forêt qui me tire dessus. Non. C'est abusé là. Il arrive en tirant cet enfoiré. Ok, il est en mort à nouveau. Ah, nickel, painkillers. Je prends, j'utilise. Bon. Un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, d'accord. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Donc, on a l'accès avec ascenseur jusqu'au mainframe. Et... D'accord. On se fait canarder. On n'a pas vraiment de quoi se couvrir. Génial. Bah, c'est n'importe quoi. On n'a vraiment rien. Pas du tout de quoi se couvrir. C'est n'importe quoi. Je suis énervé là. Et on va se la refaire sérieux. Mais non, je suis touché moi-même. Bon. On se fait attaquer de tous les côtés dès qu'on active le truc jusqu'au mainframe qui est en gros le... Oh, mais merde. Le poste de sécurité principal, j'imagine, auquel on pourra activer nos accès jusqu'au bureau de Horn. Non, il est pas mort. Voilà. Bon, allez, on y revient sérieux. C'est reparti. Est-ce que l'autre va venir? Ouais, le voilà. Rêve. Comment on va faire là? Tac. Ça marche ou pas? Ah non, d'accord, faut que je rappuie un coup. I had elevator access to the mainframe. From there I'd be able to override the security locks and get to her office. Ouais. Allez, mais tu peux rien faire, mais ça commence à me saouler. On a découvert à 3 gars dispersés. C'est n'importe quoi. C'est complètement abusé. Ça commence à me saouler ce passage, on peut rien faire du tout. Il y en a un autre. Mais non, il se baisse. Bon. Elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Tiens. C'est bon. C'était juste, mais fallait vraiment savoir où est-ce qu'ils étaient à l'avance, etc. Bref, on va continuer jusqu'aux prochaines ascenseurs. J'arrive plus à parler. Aux prochains ascenseurs, c'était pas facile à parler parce que ça enchaîne les S et les SE. Comme un chasseur doit savoir chasser sans son chien, en gros. Quelque chose comme ça. Bon, bref. Ah non, faut être d'accord, on redescend. Il y a un putain d'hélico de la police. Oh, mais d'accord. Non, mais génial, mais je dois recommencer. Mais n'importe quoi. Allez,
Allez, c'était Diego Arr et je vous dis à la prochaine. Ciao.